Bonjour à tous et bienvenue. Ah ouais, je fais ça sur le rythme de la musique. Comme d'habitude, ne me demandez pas pourquoi je parle comme ça, j'en sais rien. Vous l'aurez compris, vous êtes de retour sur Psyseb Live pour du Kirby et le monde oublié. On va se faire ça tranquillou. Tranquillou, tranquillou. On est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus d'argent que la dernière fois. J'ai, durant... depuis le dernier live, j'ai donné tous les codes secrets que je connaissais, que j'avais trouvé sur un site. Donc j'ai gagné plein de pièces, voilà, entre autres. Voilà, et quelques gemmes pour améliorer les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre le tireur. Je m'étais trop éclaté avec le tireur la dernière fois. Surtout pour faire le boss. Je sais pas si ça semble utile, si ça se trouve je vais changer de direct. Hein. On va faire un peu de gacha. Ok, pourquoi pas. Ah, c'est la deuxième fois que je l'ai su. J'aimerais bien en avoir des que j'ai pas. Ah, nouveau, enfin! Il est loin le temps où j'avais toujours des nouveaux. Ah, encore un nouveau, cool. Enfin, je continue sur ma lancée. Hein. Là, je l'avais déjà. Allez, j'en fais encore quelques-uns. On dit combien? Allez, j'en fais encore 5 après celui-là. Cerise, très bien. Ça en fait 2. Sauf si je sais plus compter, ce qui est possible. Oh, le cône de chantier, je l'avais pas eu. 3. Si j'en ai encore un que j'ai pas, je fais 5 de plus. Perdu, je l'avais. Je viens d'avoir la cerise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux l'avoir qu'une seule fois celui-là?
Alors, ça c'était le niveau 2 à la plage. Tout va bien, tout est fait, tout est torché, on n'en parle plus. Niveau suivant. Il me semble que j'avais déjà débloqué les. Ouais. Un niveau bonus ici, un niveau bonus là. Ok, cette fois-ci on va pas commencer par les niveaux bonus, on va commencer par le niveau. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Allez, parc d'attractions, nous voici. Pas ce que j'avais prévu. Faut récupérer tous les petits canards. Il y a le dernier. Merci pour les pièces. Sûr qu'il y a grand chose d'autre, on va avancer. Mais j'ai déjà eu un défi, ça c'est déjà pas mal. Youhou! Oh, c'était pas suffisant. Tiens, on va sur la deuxième vague. Plein de trucs qui marchent pas bien ici, hein. C'est ouf. Ça, le chrono était pas. Ce n'était pas infaisable.
Wouhou, on fait un tour de manège, on fait un tour de manège, on fait un tour de... Ouais, ok, c'est bon, j'arrête. Je peux rentrer là-dedans avec eux ou pas? Non. Alors pourquoi j'irai en haut plutôt qu'en bas? Et pourquoi j'irai en bas plutôt qu'en haut? Je peux peut-être ressortir là. Non. Ailleurs, hein. Oh, oh le poulet bien caché. Ça aussi c'est bien caché. Vous êtes cru où là? Je pense qu'il aurait fallu passer par l'autre chemin en fait pour les avoir tous. Ou alors peut-être qu'il faut faire au moins le niveau deux fois parce que tu peux pas tous les avoir en une. Calme-toi. Je suis en train de me demander si avec un pouvoir de glace ou d'eau, on peut pas nettoyer toute cette boue. Il me semble qu'il y a une suite là. À mon avis, on va aller appuyer sur un interrupteur quelque part pour ensuite passer là. Ah bah. Mais tu te vides jamais ou quoi? Ah si, quand même. Ah. C'est bien qu'il y avait un petit truc caché derrière le panneau. Sur les jouets cassés.
Il n'y a que 3 plantes ici. Ah les salauds. Oh, le plan pour le marteau, ça va être cool. Parce que le marteau c'est sympa. Nettoyer tout ça. J'ai déjà fini. Il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé là. Admirer le paysage du sommet de la fusée. J'ai pas vu de fusée. Ou alors je l'ai raté. Ou alors c'était dans le passage que j'ai pas pris. Oh, un niveau course. Ouh, ça va être bon. Ça va être bon. Des niveaux défis de... Allez. Ouais, je vais essayer d'avoir les deux derniers d'un seul coup. Hein. Une seule fois. Le dernier était par là. Allez, les 5 d'un coup. C'est parti. Ça change rien. Ça donne les mêmes choses peu importe dans quel sens on se met. Le sommet de la fusée. Non, c'est pas ça que je veux faire. D'accord, si j'appuie sur ma touche moins, ça expulse le pouvoir instant. J'ai même pas besoin de maintenir. Du sommet de la fusée. Pas assez loin ça.
truc là. On n'a pas fait ça tout à l'heure. Comme quoi. De toute façon, je pense que c'est que par... ça peut être que par là. Hein. Oh, on va se transmorpher en fusée. Je me suis raté. Ça fait rapide, hein. Ah merde, j'ai raté l'interrupteur. On va essayer. Alors je sais pas si vous en avez vu d'autres, mais moi j'ai vu un interrupteur que j'ai raté. Donc il y en aurait... Il y en aurait deux au total. D'après ce que j'ai vu. Mais je peux me tromper, hein, parce que ça va vite hein, quand même. Yes! D'accord. En plus, j'ai bien fait de le refaire, hein, du coup. Il passe super vite celui-là. C'est fait exprès, en fait, pour qu'on le rate. Elle est où la fusée ?
Et j'adore cette transformation en vrai. Hein. Je la trouve hyper stylée. Salut Princilla, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va pas trop mal, ça va pas trop mal, ça va même plutôt pas mal en vrai. Saleté va. Donc là c'est déjà la deuxième fois que je le fais le niveau, hein. Je l'ai déjà fait une fois mais j'ai pas eu tous les trucs. J'ai toujours pas réussi à faire le défi d'admirer la vue depuis le haut de la fusée. Il y a un truc que je dois pas comprendre. Il y a un truc que je comprends pas. C'est pas grave, on y reviendra plus tard. £50 pour avoir fini le niveau en mode ouragan. Ah ouais, quand même. Bernard. Même avec son casque enfoncé jusqu'aux yeux, Bernard vise à la perfection. Oh, le nérisson. On va attaquer le premier niveau défi.
m'étonnerais que j'ai le temps là, mais une 20, j'ai mis 2 minutes. Waouh, à la calotte que j'ai pris là. Au niveau chrono, je parle, hein. Les calottes, c'est moi qui les ai mises avec le marteau là. Je me demande si j'améliore le marteau, est-ce que je le fais avec le marteau amélioré? C'est ce que je comptais faire exactement. Je le savais déjà, merci. Oh, plus puissant et plus rapide. Oh la vache. Je le fais tout de suite. En plus, j'ai un casque, il est magnifique. Voilà, ça me remet en normal. Donc il faut bien que je le fasse avec le normal. Ah oui! Oh, je te l'ai tollé là, par contre! Oh, ce que je lui ai mis! Je sais pas si je suis bon par contre. Bon, je suis pas loin, mais je suis bon. Le deuxième, c'est quoi? Aiguille. Ok. J'ai pas regardé le temps, je crois que c'était 20 secondes. Roulade rapide sur la route des aiguilles. Remonte pas.
Ouais, ce qu'il y a, c'est que chaque fois que tu mets un coup, ça t'accélère. Je suis à peine trop lent. Je vais le refaire, de toute façon, on verra bien. Il faut que je fasse 30 secondes. Diriger pour bien prendre tous les mobs d'affilée. Normalement, je suis sûr qu'on peut le faire du début à la fin sans s'arrêter. Je maîtrise pas assez l'aiguille. Mais l'idée elle est bonne. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. À moins qu'il faille couper à certains endroits. On va voir ça, on va voir. Les chronos c'est pas mon objectif hein, quand je dis je fais le jeu à 100%. Hein. Je crois que je l'ai. Il était chaud celui-là. Enfin, pour moi, il était chaud. Fallait être assez vraiment très rapide. Bon, ben, prochain level. Hein. Encore 10 Waddle Dee à sauver. Ok, on est parti! Je pense que je peux sauter aussi des fois. Comme ça. Médaille d'or. The best. Alors l'étoile bleue, non merci, j'ai aucune raison de refaire ça. Il y a 4 circuits et 4 Waddle Dee cachés, c'est ça? C'est calme. Hein. On peut se calmer le hérisson. Hein. Rien, rien de rien.
C'est de la bouffe! Ah merde, je vais pas prendre ça. Je voulais bien prendre ça. Ouais, je voulais bien prendre ça. Et c'est le strike. Alors là, l'échelle cachée. Petit, quand même. Oh, je t'aime, super sucette. C'était un défi de le vaincre avec la super sucette. Pardon. Ouais, j'ai pas lancé une belle insulte comme ça en plein milieu. Désolé. Oh, l'épée évolue. Trop bien. On entend le Waddle-Dee marmonner. On entend le tout doucement. Celui-là, 50 secondes. Ok, on va le tenter. Hein. Je pense que c'est le dernier Waddle-Dee qui me manque en plus. Je sais pourquoi j'ai pas eu les 50 secondes. Il y a plein de raccourcis qu'il va falloir que je prenne.
Ça sert à rien que je prenne les récompenses, sachant que ça me les enlevait parce que je recommence. J'ai déjà dû gagner pas mal de temps. Là encore plus. Cinquante-six. Je l'ai bien eu. En turbo accélération. Ok, c'est un défi. Il y en a un que j'ai pas eu, mais je sais pas lequel c'est. L'arrivée de la première course en moins de 20 secondes. Je sais pas combien j'ai mis. Oh, il est nouveau celui-là. Celui-là aussi, il me semblait que je l'avais déjà vu, mais. Trois nouveaux. Impeccable. Mais j'ai l'impression que quand on les chope dans les niveaux, comme ça, on est sûr d'en avoir des nouveaux. La première fois qu'on le fait. 9 d'un coup, pas mal. De nouveaux défis. On va essayer de torcher la première course pour voir si c'est à quel point on... Ah, je suis un connard, je passe devant tout le monde. C'est chaud 20 secondes. Bon, y a un endroit j'ai un peu merdé, mais je vais essayer de faire plus rapide. Mais je pense pas. Hein. Ça va être chaud de faire merde. Heureux. Bah t'inquiète pas. Hein. Ici. Pas t'inquiéter pour ce genre de détails. Hein, il n'y a aucune obligation de suivre le stream du début à la fin. Oh, j'y suis arrivé. Ouh! Je vais juste le retracer jusqu'à la fin maintenant le niveau, hein. Je vais pas me fatiguer à tout refaire.
j'adore ces bombes chaînes. Vraiment stylé. Mode rush, activated. Allez, la deuxième course. Un macaron. J'ai fait 3 secondes de moins que tout à l'heure. Je me mets bien. J'en ai eu qu'un cette fois-ci. Possible. Et de 10 sur 10, nickel. Elle est rentrée d'où ta fille d'ailleurs, Policy? T'es pas avec toi? Ah par contre c'est le lancer normal. Ah d'accord. Une sortie scolaire, d'accord. Oui, il rentre tôt pour une sortie scolaire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah bah je l'ai fait quand même dans le temps. Bon, nickel. Ah, ils ont été généreux là sur le temps de celui-là. Hooray ! 45 secondes.
pour s'enflammer, il faut sauter et dasher. Sur les tapis roulants. Ah ouais. J'ai fait les 45, j'ai fait 51. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je suis foiré à un moment. Ok. Ah oui. Ils finissent tôt l'école encore, quand même. Hein, enfin, chez toi. Et ok, là, c'est fini, Pincy. Putain, à 20 millièmes de seconde près là. Pardon. Faut pas que je sois grossi. C'est Kirby, c'est tout calme, il faut être chill. Yeah. Mode 2B activé. Je suis désolé. Je suis complètement pété aujourd'hui. Je crois que le pire, ça va être Styx ce soir. Oh là là, pour faire de l'infiltration en étant pété, ça va être drôle. Ok, c'est bon. Et il y aura en 6ème. Ouais, bah 5ème année de primaire, c'est le. Nous, c'est le CM2. Nous, la primaire, c'est trois premières années. Après, il y a le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Oh, on va faire le mode noir hanté, ça va être drôle. Alors déjà t'as une sale tête, mec, hein, je te le dis tout de suite. Wesh, tu m'as fait peur, enfoiré!
Par contre, vous faites pas peur. Donc je le dis tout de suite. Se calme les petits là. Hein. Ah, oups. C'est pas une bonne idée. Par contre là il y a un truc. Faut la taper quand c'est le bon truc, sinon t'as pas la cage. J'adore. C'est insane, mais j'adore. Ça fait rien. Non, pas de ça, moi. Je vais garder mes bombes. Non, mais ça va pas la tête. Ah là là, la sixième. Genre tu fais pas peur, hein, tu sais. J'ai sauté en diagonale, je suis teubé. J'aime bien cette surprise là. Aïe, saleté va. Non, moi mon problème c'est là là. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose sur la droite. Mais c'est une ampoule. Aïe 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 aïe. Putain, on pourra dire que j'ai l'esprit mal tourné, hein, mais pas autant que toi, hein, Princey. Surtout, tu n'essayes pas avec une ampoule, s'il te plaît. Non. Ah, je l'ai eu quand même.
Ah, c'est un truc caché, ça. Malheureusement obligé de prendre ça. Yes. Ah, c'est bien que le deuxième. J'en ai pas raté. Le retour du jouet à Princy. Ça, c'était de la nourriture cachée par les fantômes. Ok. Ah, mais ça descend là. Ah, c'est juste, hein. Quand on allait pouvoir améliorer, c'est un peu cheaté. Ah, ce fake, c'est un foutu trompe-l'œil ce truc. Ça c'est pareil, c'est un trompe-l'œil. Celui-là, le troisième morceau. Ok. J'ai qu'un défi sur les trois. J'aimerais bien en trouver un autre, même si je le finis pas, au moins je saurai ce que c'est et ça me débloquera le dernier. C'est lui le trompe-l'œil. Un trompe-l'œil utile.
Ok. Dis-moi qu'il y a un... genre un défi de péter toutes les... tous les pièges. Ah, j'ai détruit 13 extraterrestres avec le distributeur transmorphé. Ah. Et j'ai eu la dernière cage en même temps. Y'a quoi là-bas derrière? Oh, y'a plein de tunas. M'en fous, je finis avec le distributeur. Salut les héros! Et bon lurk à toi! J'ai tout vu. Terminé sans toucher à Minéris sans fantôme. C'est nickel. Ah, le réservoir, j'avais eu que celui transmorphé. Les 10 d'un coup, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, mais il y a des défis partout dans celui-là. Ah, la bombe normale. Défi de la bombe normale. Je sais plus combien c'était le défi, mais je pense que je l'ai pas. 45 secondes. Punaise la vache. Va falloir être beaucoup plus rapide. Hein. Là, c'est le tout de savoir quand est-ce que je dois lancer ma bombe et quand est-ce que je dois la prendre pour la jeter. C'est un défi de réflexion vitesse. Je pensais pas l'avoir du premier coup celle-ci. Je l'ai pas non plus, je crois.
Je suis à 3 secondes près, hein. Punaise. Je le réessaye. Je pense que je peux y arriver. Je l'ai bien torché là par contre. Je connais quand même 2-3 secondes. Hein. Ouais. Un peu plus de 3 secondes, je l'ai eu. Cool. T'as, les niveaux, leurs chronos, ils sont très bien faits pour moi. Parce que. Ils sont difficiles, mais pas infaisables. J'avoue la déso sur le chemin du tuyau. Ça risque d'être... Ça risque pas, ça va être drôle. Ah, j'ai pas sauté. Oh, je recommence. Je veux l'avoir du premier coup, les 40 secondes, là. Enfin, du première fois que je le finis, j'ai les 40 secondes. C'est ce que je veux. Ah purée, mais ah, les sauts enchaînés là, ils sont relous. Parce que j'appuie, mais comme je viens juste d'atterrir, saute pas tout de suite et du coup je me fais avoir. Et puis il y a un moment j'ai ralenti aussi, je me suis fait avoir. En fait, quand il y a une montée, faut sauter. Ça empêche le tuyau de ralentir. Je vais trop vite. Donc il vaut peut-être mieux peut-être pas sauter la montée. Pas la deuxième en tout cas. Ça me permet d'aller plus vite, c'est cool. Là je me laisse ralentir un peu. Je vais trop vite, mais je sais pas comment ralentir. D'accord. Ça va pas être facile. J'ai pas eu le temps de sauter. Pouf. Et là j'étais bon hein, pour les avoir les 40 secondes.
Ah! Si tu soles pas au pôle de Cupré, c'est mort. Les salauds. Yes. J'adore ce level en vrai. Je me suis fait chier dessus, mais j'adore. Après, il y a un des deux défis à trouver sur le level que j'ai pas fait aussi. Je me suis fait niquer. Si tu prends tous les objets, t'as un TP qui te fait gagner du temps. C'est génial. Le principe du level est juste énorme en fait. Ah, j'en ai des frissons tellement je kiffe. Celui-ci qui pas fait. Oh, avec le souffleur. Activer les moulins avant. Ok. Je sais pas combien de temps il fallait faire. 1 minute. Donc je l'ai aussi. Cool. Vraiment très cool. Je pense qu'il doit rester un ou deux niveaux défi, pas plus. Peut-être même pas du tout en vrai. Je vais vérifier ça.
Y pour les niveaux. Ah, 8 sur 8. Je les ai tous. Je les ai tous, voilà, et je les ai tous faits. Par contre, au niveau des stages, le premier il me manque un Waddle Dee. Waddle Dee dans ce niveau. J'ai 904 9904. Non, trop tard. Je pense qu'il me fallait les flammes. Là, je peux pas y aller. Y a un canard. Allez, viens avec moi, petit. Je sais pas où est ta maman, mais je te ramène. Et de deux. Wesh, tu veux mes canards, toi? Dégage! Il y a un dormeur là-bas au fond en plus. Faites attention sur la route, les petits canards. Oh, des biberons pour les canards. J'entends une cage pas loin. Bah allez, juste là. Et c'est bien le premier, donc tout va bien. Il va me falloir un cône.
J'ai la voiture. 5 secondes? Oh les bâtards. Oh les bâtards. Ah les bâtards! J'adore. Ça te va? Moins de 3 secondes. J'ai foutu la voiture dans le vide. Normalement, je vais avoir besoin de la foreuse. Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi. Dégage, toi. T'es plus pour qui, sérieux? J'ai pas compris où je suis passé là en fait. D'accord, ça je peux pas le péter. Je dois pouvoir avec de l'eau. Ouais, je viens de comprendre. Salut Nopse, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Ah, c'était le dernier celui-là, j'en ai loupé un.
Oh, mais je suis à la fin, mais je pensais pas être à la fin. Il y avait un autre truc avant. Celui était pressé, il n'est même pas resté 3 secondes quoi. Ou alors il est resté, c'est quelqu'un d'autre qui est parti. Et je suis mauvaise langue. Voilà, c'est fait, ça arrive tout le temps. Ou alors j'ai mal prononcé son pseudo et je l'ai vexé. Voilà. Défi que j'ai pas fait, je sais pas ce que c'est. On va bientôt le savoir. Terminer sans marcher dans la boue. Ça doit pouvoir se faire. J'arrive au boss. Mais on va essayer de finir tout le reste à 100% parce qu'il me reste deux niveaux à finir là. Non, non, il y a encore un truc de défi. Déjà, on va refaire celui-là. À voir. J'ai juste pas l'intention de me fatiguer une deuxième fois à faire tout le level. Hein. Alors, ne pas marcher dans la boue.
En réalité, ouais, c'est pas ce que je pensais. J'ai pas forcément besoin. Ça s'est réglé. Là, normalement, je l'ai traversé sans sans toucher à la boue. Merci à tous les gens qui sont en lurk hein, d'être là. Ah, c'est pas obligé de parler, mais je vous remercie quand même d'être là. Ouais, je l'ai tracé le niveau, c'est pour ça que j'en ai qu'un seul. Et voilà, c'était le dernier. Hein? Comment ça, je l'ai pas eu? J'ai pas touché à la boue? À quel moment j'ai touché la boue en fait? Est-ce qu'il considère qu'ici c'est de la boue? Je vois que ça en fait. J'ai cru que je touchais là. Ah mais... Ah non, c'est pas de la boue là. Pas de boue ici, c'est que les chemins. Là, si tu me dis que j'ai touché de la boue, je sais pas où. Hein. Ah, c'est que de la terre. Ah, enfin.
Je pense que c'est le début du niveau où il y a un peu d'herbe et un peu de terre battue. On considère ça comme de la boue. Peut-être. Je dis peut-être, parce que pour moi, la boue, c'est le truc marron dégueulasse qui te ralentit. Ok. Un pouvoir que j'ai pas débloqué. Admirer le paysage du sommet de la fusée. J'aimerais bien savoir comment on fait ça en fait. Parce que je suppose que c'est dans la partie bonus où il y a la fusée. Oh purée, c'était juste monté là. Ouais, je vois pas d'autres fusées, et là j'en ai une sous le nez, imbécile. Hein, ça t'apprendra. Maintenant il faut que je finisse le niveau. Ils ont volé les pauvres. Perdu internet. Je sais pas si je suis encore en stream ou pas. Calme-toi, le PC. Prends ton temps. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est bon.
Ok. Alors, j'espère que ça s'est pas coupé en route, j'ai pas l'impression. Voilà. Puis, chaque fois que je stream la Switch, j'ai des problèmes. Ça m'énerve. Vraiment. Bon, c'est pas grave, on continue. Maintenant que c'est résolu. Ça, essaye de me taper, moi je me casse. Salut! Là c'est pareil, hein. Ici en vrai pour finir. Salut à toi, Kid pour les lunes. Bienvenue. Alors là, tu me poses une bonne question. Je n'ai aucune idée de voilà, si Kirby avait un doigt qui se fait bien. Mais bon, y a pas d'humain, donc déjà pour avaler un doigt, ça va être compliqué. C'est parfait. Donc il me reste les 7 donc 3 plus 4 défis sûrement. Il y en a un qui doit être ne pas se faire toucher comme d'habitude. Je vais. Aller voir ce que j'ai trouvé comme parchemin d'amélioration. J'en ai trois nouveaux. Plein de plans, j'en ai trois, hein, merci. D'accord, c'est du pouvoir unique. Alors là, il me manque la glace qui n'est pas améliorée, la foreuse et un ici, je suppose. C'est juste un peu cheaté, on est d'accord?
Ok, j'ai pas compris le fonctionnement du pouvoir. Ah, on perd en rapidité par contre. Ah, ça c'est dommage. Épée gigalame. Tant pis, on va le prendre. Hein. C'est une amélioration. On prend. Par contre, la puissance, c'est vrai qu'on passe de 1 à plus de 3. Insane. Ah voilà, c'est celui qu'il me fallait pour le niveau bonus. Je vois pas bien la différence avec l'autre en vrai. Il dure peut-être à peine plus longtemps. Ah oui, je commence à être bien blindé en collection là. J'en ai combien? 53 sur 79. Ah tiens, lui il a une étoile. Lui il a une étoile, lui il a une couronne, mais je sais pas à quoi ça correspond. On y retourne. Donc il nous reste un défi et le boss à faire. Donc le défi était là. Je suppose qu'ils vont nous apprendre à utiliser le pouvoir. T'es sérieux? Dis-moi que c'est bon. Hein. J'ai le chrono direct. Pfff. Eh bah tant mieux, hein. Alors, 4 défis, il y a sûrement le défi de le battre avec une arme, le défi de le battre sans perdre de PV, et deux autres qui sont à découvrir. Danger sous le grand chapiteau. Alors, il pose le pistolet.
j'ai pas au pistolet. Il y avait le pistolet, l'épée ou les bombes. Je sais pas lequel sera le mieux en vrai, donc je prends le pistolet. On dirait un vampire. Et ce n'est qu'un magicien à grandes oreilles. Un peu. Je suis arrivé à l'anneau pour l'instant à ne pas me faire toucher. Ah, la violence. Laisse-moi tranquille, t'es violente. Merde, je me suis fait toucher. J'ai perdu toute prudence parce que j'ai juste envie de l'achever là. Ah oh, purée, c'est comme ça que je me suis fait avoir tout à l'heure aussi. Tu vas me laisser tranquille avec mon pouvoir hein. Pas. La première phase est simple, vraiment, vraiment simple. La deuxième, c'est beaucoup plus compliqué, vu la tollée que j'ai pris. La foreuse crayon. Ah ouais. Sauter, mais pas flotter. Ça me va. Je vais essayer de la faire aux bombes. J'en ai eu 4 dès le premier coup, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien en avoir 2 au suivant. Il ne reste plus qu'un. Oula! Ah oui!
Ça, c'est agrandir le village, oui. Ah, y a un deuxième distributeur. Oh, nouvelle série de collection. J'ai même pas fini la première. Meta Knight. Lui, il sera pas facile à battre à mon avis. Mais je vais pas aller à l'arène. Je pense que je ferai une petite map complète spéciale arène. Ces plans-là sont améliorés. Celui-là l'est, celui-là l'est, celui-là va l'être, celui-là l'est, et il me reste plus que le plan de glace qui est pas amélioré. Plus rapide et je fais un point de dégâts de plus. Ça me va. En quoi un grillon c'est plus puissant qu'une foreuse, s'il te plaît? Et quand on sort, ça balance le grillon. Tu laisses enfoncer, ça s'enterre et. Waouh! Répète-moi ça. Ouais, je fais ça comment? Ah oui, là je fais ça. Et si je préfère l'épée de base, je sélectionne l'épée de base. Ok. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je prends ça, mais je vais changer pour les bombes dans 3 secondes. Meta Knight, ouais! Non. T'es déçu? Tant mieux! Il me faut 145 et 180 et je vais avoir deux bâtiments de plus.
Ah oui, d'accord. Les mecs, ils ont battu le boss que je viens de battre en 4 secondes, quoi. En moins de 4 secondes même. J'ai récolté quasiment 15 000 pièces depuis le début de la partie. Non, c'est bon, je m'arrête là. Ah bah, la neige, comme chez moi. Je baille comme un porc. Hop, tout va bien. Non, j'ai flotté. Attention, elle s'énerve. Oh le con! J'étais bien parti. Je m'en fous, je recommence. Quitter le stage. Je recommence. Je veux arriver à ne pas me faire toucher avec les bombes. Dommage qu'on puisse pas recommencer ce genre de stage. Je vais le faire en no-hit aussi. Là, je vais le faire en no-hit avec les bombes. Et si je peux éviter de flotter aussi. Pas ça, quoi. Par contre, c'est long pour aller jusqu'au boss. Ça me rappelle Dark Souls. C'est des mauvais souvenirs. Donc, on va essayer no-hit, no-fly.
sympa. Le Noit. Mais je continue à essayer pour le no-fly. Et tant qu'à faire, je m'entraîne pour le no-hit aussi. Ah putain, allez, j'ai fait le je me suis fait toucher et j'ai fly. J'en peux plus de moi, c'est un réflexe, je veux fly pour éviter les coups. Il manque un petit dérapage, histoire d'accélérer un peu. Je suis touché ou pas là? Non. Je sais pas comment. J'ai fait, mais je me suis pas fait toucher. Dommage. Normalement j'ai pas fly, par contre le Noit je suis pas convaincu. J'ai pris un coup, mais il me semble que je me suis protégé juste à ce moment-là et que du coup j'ai pas été touché. Et je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Terminé sans subir de dégâts. Si je l'ai eu! En 1 minute 30 max. Il faut un pouvoir qui défonce, il me faut l'épée. Et il faut que je la tatane. Ou alors je me prends un marteau. Un marteau il était fourré en général. Je vais tester avec l'épée. Surtout que j'ai l'épée améliorée là.
je lui mets ça dans la tronche, ça doit faire mal. Ça se bloque au sol. Oh, le coup que je lui ai mis dans la tronche! J'ai perdu quelques PV, c'est sûr, mais. J'aurais pu aller plus vite. Si, c'est bon. Mesdames et messieurs, mon numéro 3, le parc d'attractions, fini à 100%. Ça, on appuie sur X, j'ai bien tous les Waddle-Dee sauvés dans chacun des levels. Bon, ça c'est fait sur le premier monde, sur le deuxième monde, sur le troisième monde. Et sur les stages possibles, sur les niveaux défis, j'ai bien les 7 avec le chrono sur le monde 1. Les 8 avec le chrono sur le monde 2. Les 9 avec le chrono sur le monde 3. Et le monde 4 que j'ai pas encore commencé. Non. Alors je vais faire un petit tour, savoir si je trouve des pièces. Alors je pense qu'on aura un niveau ici. Un niveau là. Un niveau là. Un niveau sur le pont. Ah, je sens bien l'arrivée, le niveau sur le pont. Ah, j'ai trouvé un niveau défi. Trésor en poule transformée. Oh! La transformation préférée de Priscilla. Yes. Là, il y a des pylônes électriques ici. Ah ouais, la vache.
Attends, mais on change de planète ou quoi après? Parce qu'il n'y a plus de brouillard là, mais par contre c'est un vide. Et je vois des trucs au long. Peut-être qu'on est téléporté ailleurs. Le boss il va être stylé encore, je crois. Bon, j'ai trouvé qu'un seul niveau défi. Là, je suis sûr qu'il va s'en va en spawn 1 quand j'aurai fini le premier monde. L'objet planqué dans l'eau. Trésor épée Meta Knight. Il faut que je me transforme en Meta Knight pour avoir celle-ci. Ça veut dire que j'ai encore une amélioration de l'épée à trouver. Cool. Bon, eh bien, donc comme d'habitude, j'ai fait un monde à 100%, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il est probable que je refasse au moins un stream Kirby ce week-end. Parce que je kiffe Kirby, que j'ai envie d'avancer. Hein, et de toute façon, je pense que j'en ferai quasiment tous les soirs la semaine prochaine. En attendant, ce soir, ça sera le live Styx du vendredi soir, comme d'habitude. J'espère que... ce petit stream vous aura plu. Je vais. Je sais pas où est-ce que je vais vous envoyer. Où est-ce que je peux vous envoyer? Alors je vais comme d'habitude aller voir sur la chaîne des héros qui c'est qui est là en stream. Ah, pas beaucoup de monde aujourd'hui. On est vendredi après-midi en même temps. Il arrête qui à héros tout à l'heure? Allez, on va raid la même personne qu'hier. Voilà, je vous envoie chez Crucrux, qui fait du... Ça y est, je l'ai mangé. Qui fait du Cuphead, voilà. J'espère que ceci vous plaira. Je vous dis, je vous souhaite un bon vendredi après-midi. Et à ce soir pour ceux qui sont là. Bye bye.